Donc merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie M. Assad d'être venu pour Eva News couvrir l'événement pour le club. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Margeau, je suis président du tennis de table basse depuis 20 ans. Donc à ce titre, on a fait faire des maillots avec Gosport Montignac et les peintures Nicolas de Rouffignac, qui ne peuvent pas être là ce soir. Je tiens à remercier la mairie d'Aubas, le maire et les conseillers d'être venus. Merci donc à tous, à tous les joueurs et représentants, au bureau. Et voilà, donc ça fait 20 ans que le club existe, donc on a voulu marquer le coup. Donc avec les sponsors et les licences, on a fait faire un jeu de maillot. Il va être marqué dans le dos. C'est bon. Ça a été, voilà, ça a été remis pour l'AG. C'était un test pour le logo. Ça. Voilà, pour le logo et pour voir la taille des maillots. Des vapeurs, on pourra les voir. Voilà, donc merci à tous. Michel. Ouais, allez. Juste ce soir, il manque le service des sports de Montignac qui ne pouvait pas être là. On avait invité aussi la communauté des communes. Voilà, en tout cas, ce soir, hier soir, j'ai envoyé 37 mails. En 24 heures, j'ai eu 32 réponses. Je tenais à vous remercier. C'est rare. demain, donc, il y a deux rencontres, une en PR, une en D1. Donc, ça démarre de 14h30 jusqu'à demain soir, 23h. Donc si vous voulez passer nous voir jouer, il n'y a pas de souci. Mardi, donc le bureau, donc je suis dans le bureau, Fabrice et Daniel sont nos trésoriers et vice-trésoriers, c'est déjà important. Vincent président et Mathieu n'est pas là, vice-président. Moi je suis secrétaire et Jean-Baptiste est vice-secrétaire, il n'est pas là, son petit malade. Et puis dans les membres du bureau, il y a Pascal et il y a Alain. Voilà. Alors Alain, quand je vous ai envoyé un mail, je vous ai dit que c'est le responsable du créneau du mercredi. Voilà. Donc, il vient de Rouffignac, donc là, il vient le mercredi, il n'aime pas venir pour rien. Voilà. Oh, mais je ne me déplace pas pour rien à chaque fois. Non, non. Il y a toujours une belle fréquentation. Tout à fait. Voilà. Donc, mardi soir, on a réunion du bureau pour nos projets futurs, principalement pour la mise en place du créneau donc du jeune à Montignac. Donc on doit faire les comptes, donc on a quelques sous, on va voir ce qu'on peut dépenser. On en a moins déjà. On en a beaucoup moins. On fait faire deux, évidemment. Voilà, donc on va bosser là-dessus. Après, il y a différentes choses en cours. Donc l'idée, c'est qu'en novembre, à peu près, tout soit calé. Dans les parents, on n'a pas oublié que certains nous ont proposé leur aide. Donc souvent, on a été timide là-dessus, on ne le saura pas. Donc on va vous solliciter pour tout ce qui arrive. Ça, c'est mardi. Mercredi, donc créneau horaire de 15h à 18h à la salle des fêtes. Jeudi et vendredi, il y a deux jeunes qui vont participer à un stage à Terrasson. Donc c'est Gabin et Matisse. Voilà. Donc en fait, Terrasson, ils ont un club un peu plus important que nous. Ils ont quelqu'un qui peut faire des stages. C'est Stéphane Rouleau qui a repris du service. Donc c'est un gars très sympa. Et la bande de jour, vous allez faire à peu près 12 heures de ping, ce que vous faites à peu près en un trimestre ici. Voilà. Donc les deux jours sont facturés 40€. Vous en prenez une partie à votre charge, 20€. Et la deuxième journée, c'est le club qui vous les paye. Voilà. Ici, on a toujours aidé. Et ça restera comme ça. On fera tout pour aider les jeunes. OK. Ça, c'est mercredi, jeudi. Non, c'est jeudi, vendredi. Samedi et dimanche. Quand je vous dis que ça ne finit pas. Donc là, nous allons former nos anciens. Donc Vincent et Daniel. Ils vont partir à une formation arbitrage qui se fait à Cougnier. Donc le samedi, c'est une formation qu'on appelle AR, c'est-à-dire c'est les gens qui arbitrent la rencontre. Et le dimanche, c'est ce qu'on appelle le juge arbitre premier degré, c'est les gens qui arbitrent la rencontre. Voilà, alors il y a tout un parcours. Donc vous serez tous les deux et moi je viendrai en tant que futur formateur si j'en ai le temps. Voilà, donc on passera le week-end ensemble. Ça, c'est samedi, dimanche. Donc, mercredi de la semaine d'après, remercredi à l'heure. Et le vendredi 4 novembre, on se retrouvera pour tous ceux qui veulent au gymnase à Montignac, de 9h30 à 17h. Donc là, on aura 6 tables. Vous venez quand vous voulez, vous venez avec qui vous voulez. Et toute la journée, eh bien, on fera des exercices, on s'amusera. Ceux qui restent à midi, vous prenez vos repas. Sur place, il y a des vestiaires, il y a des sanitaires et tout. Pensez toujours à prendre une bouteille d'eau et une serviette.
Et là-bas, il y aura les raquettes, les balles, il y a tout ce qu'il faut. D'accord ? Voilà, ça c'est le 4 novembre. Et la semaine d'après, ben, on reprend nos créneaux le mardi, le mercredi, le vendredi, etc. Voilà. Je vous demanderai juste, pour ceux qui n'ont pas encore les papiers à jour, de, voilà, d'accélérer les choses. Je sais que ce n'est pas facile de trouver des médecins. Voilà, mais si, on va dire, mi-novembre, tout pouvait être à jour, ce serait sympa. Voilà. En tout cas, on a essayé de vous accueillir au mieux. Tout n'est pas parfait. Je pense que tout le monde est en train de trouver sa place sur les différents créneaux. Je pense que le vendredi soir, on va prendre plus personne. On est assez nombreux. Il nous reste juste un peu de place le mardi, et puis on va voir le jeudi. Voilà. Mais je pense qu'on va être à une quarantaine de licenciés. Voilà, on va attendre un peu pour la suite. Voilà, donc après, ben à la mairie, on réclamera peut-être un peu plus de créneaux. On s'en excuse. Voilà, mais on verra. Si on pouvait avoir une heure de plus le mercredi, ce serait bien. Même si ce n'est pas tous les mercredis. Voilà, si on pouvait faire 14h, 18h, ça permet de mettre 3-4 personnes de plus de venir. Ça peut le faire. Très bien. Bon, on finalisera ça. Voilà, moi j'ai fini. Merci à tous en tout cas. Et puis, en tout cas, vous avez été très réactifs et impliqués dans tout ce que vous faites. Donc, on va continuer. Merci. Et on peut remettre quelques maillots et après, on va peut-être donner la parole 2 minutes à Nicolas, qui est responsable de GoSport à Montignac, qui est un de nos partenaires. Et puis, peut-être après, à la mairie, s'ils veulent glisser 2-3 petits mots. Et puis, voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais remercier le club d'ailleurs de nous faire confiance pour les maillots, d'être venu nous voir. Et puis après, voilà, si on peut arriver à vous emmener un petit peu plus loin, mais c'est avec un plaisir qu'on aimera vous aider. Parce que moi je suis récente, mais Jean-Marie était là quand même dès le départ. Alors c'est Jean-Marie qui va aller remettre les maillots. Oui, mais je voudrais quand même dire que c'est grâce à l'ami Calaï d'Aubas qu'on a démarré ce club et on faisait les entraînements là-haut à la méthode. Et je voudrais qu'on ait une pensée à M. Cléra qui est décédé. C'est lui qui nous a entraînés, enfin qui a entraîné pas moi, mais toute l'équipe. Qui avait créé la Et avec Patrick Gourdon qui était maire et qui a tout fait pour nous aider. On a réussi et c'est quelque chose de magnifique et je suis heureux de voir. Une très belle équipe qui vous allez continuer et ça continue. Bravo pour ce qui s'est fait. Merci. Merci. Président, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir. Je tenais aussi à vous remercier pour l'implication que vous avez dans la commune d'Aubas, parce que vous faites rayonner notre commune à travers les frontières, que ce soit par les rencontres sportives, par le partenariat que vous avez avec la mairie de Montignac. Et voilà, voir un club vivre depuis 20 ans, on sait quel sacrifice ça peut avoir d'avoir des bénévoles, de maintenir aussi l'esprit d'équipe. Et puis on sent dans notre équipe qu'il y a une cohésion. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est un des éléments moteurs qui fait que le club perdure encore un peu plus. Donc ben, merci à vous d'être ici à Aubas et continuer longue vie au club. Merci. Donc, il faut forcément qu'on fasse voir le modèle. Il a un petit peu circulé sur la page Facebook du TT Aubas, la Fafa ce book. Et donc, c'est le président qui va vous le faire voir en premier. Et on lui a fait un petit cadeau qu'on a reçu aussi. Et je pense que ce diplôme qui prouve les 20 ans d'existence à la FFTT sera, je l'espère, affiché dans cette belle salle. Avec plaisir, merci beaucoup. Donc on est revenu à une couleur... Le nom originel. Le nom de la Burgundy. La couleur Burgundy. On a toujours cherché à se différencier des autres clubs parce que le rouge, le vert, le jaune, le bleu, les autres, quasiment les clubs ont un de ces quatre. Donc nous, quand on a fait nos premiers maillots, je vais retrouver le t-shirt, mais je ne l'ai pas mis, on a trouvé cette couleur, ça a été un compromis avec Nicolas Descamps, qui avait repris le club en même temps que moi, c'est lui qui nous a amené
à reprendre le club. Et il est absent ce soir, mais il a pris un peu de recul parce qu'il habite un peu loin, mais il est toujours présent avec nous. Et il a fallu qu'on fasse des compromis parce qu'on n'était pas tous les deux d'accord pour les couleurs. Et donc, du coup, c'est cette couleur, le Burgundy. Et très peu de clubs, voire aucun club n'avait ça. Donc, c'est sympa d'avoir réussi à le retrouver pour faire. Pour revenir au club initial. Donc, merci beaucoup et allez, on va appeler. Allez, on va faire la remise. On va commencer par les petites tailles. J'espère qu'on ne s'est pas trop trompé. On l'a fait au pifomètre, comme dirait l'autre. L'an dernier, on n'était pas aussi nombreux à en licencier, mais quand on a passé commande début juillet, on a dit on va avoir du monde. Il y a la fête du sport qui va passer par là. Le club est en pleine expansion et on commande 40 maillots. On a pris un peu de toute taille, les tailles moyennes L et XL en majorité. Et finalement, aujourd'hui, on est 38. Alors, chaud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si on reçoit une vingtaine de licenciés de plus, on aura déjà faim avant de venir à la salle. Mais il y a toujours possibilité de recommander des maillots. J'ai vu tout à l'heure avec Nicolas. Bon, évidemment, on ne l'aura pas demain. Il faudra attendre un petit peu plus. Voilà. Mais normalement, on ne devrait pas être trop mal. Allez, on va attaquer par Mélo. Ah. Normalement, tu peux le mettre plusieurs années. Il n'y a pas plus. Alors, ne les perdez pas. Hein. Moi, je dote, je coche. Après. On ne les a pas numérotés. Voilà, ils ne sont pas numérotés. Ils sont pour les. Voilà, ensuite, Ewen. 3.